Bonjour à tous, on se retrouve cet après-midi pour poursuivre nos aventures sur Stellaris. Alors, on s'était quitté, on venait de gagner la guerre, ça avait été laborieux. Et du coup, on avait réquisitionné une partie de cette zone-là. Donc, il va falloir renforcer cette zone. Ah, c'était ça, hein, j'étais là. Ah, peut-être pas, non, c'était peut-être pas là. Je sais plus contre qui on avait gagné, tiens. C'est vrai que ça avait été compliqué. Non, c'était pas ici, parce qu'on a déjà des défenses. Le droit combien? J'en ai déjà 8. C'est tellement pas pratique, parce que là, il n'y a aucun point de verrouille. Là, il me faut deux stations pour bloquer. Là, c'est pareil, c'est la merde. Il faudra une autre là. Non. On est vraiment pas bien au niveau. Sans, depuis le début de la partie, on n'était pas bien au niveau position, je trouve. C'est difficile à défendre. Ça, il y a des ouvertures partout. Je peux pas verrouiller. Je peux rien verrouiller du tout. C'est vraiment, vraiment compliqué. Je peux rien verrouiller. Eux, ils peuvent plus accéder à leur base. Ils ont quand même une base ici. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours débarquer par ici. Là, c'est fermé. Là, ça peut débarquer de tous les côtés. Ça, ici, c'est la merde. Là, c'est la merde aussi. Alors, on est full capacité. Naval. Bon, bien de consommation, on est dans le négatif. Alors que je regarde un peu les secteurs. Alors il faut faire des trucs sur les secteurs, hein, c'est juste pas possible. Et plus qu'on avait récupéré dans tout ça. Niveau flotte ici, ça dit quoi? Deux flottes là? Ici, bon, ici ça va. Là, il y a un point d'accès ici. Une station quand même, même si c'est pas une super station, elle est quand même une station. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'améliorer pour nous? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça coûte cher en alliage? Ah non, mais fou, on a des ouvertures partout. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux gérer là? Alors ici, avec la station, on verrouille cette zone-là. Donc ça, c'est pas mal, même si ça, voilà, c'est l'accès libre, quoi. On verrouille quand même l'accès à l'intérieur. Ici, on a une station, là, deux stations. Une station ici, ça bloque un peu, ça bloque l'accès, donc c'est pas trop mal. On a une station là. Celle-là. Ça, c'est une station trop, ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a récupéré parce que moi, je fais jamais des carrefours commerciaux aussi nombreux que ça. On avait récupéré des zones ici. Ouais, 4 carrefours commerciaux quand même. C'est pas rien du tout. Carrefour commercial, ça peut récupérer ses ressources de valeur commerciale. Je crois que chaque truc augmente la portée de collecte. Ouais, il y a une portée de collecte 1, donc là, 4 portées de collecte. J'imagine que c'est par rapport à 4 sous. 2, 3. Je ne sais pas exactement comment c'est. Donc ça permet de récolter 4, ça permet de récolter à une bonne distance. Je pense que là, on va pas trop se concentrer sur les bases. C'est juste pas gérable, il y a trop de points fermés. Par contre, là, il y a une planète à coloniser. Bon, bah, c'est propice à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des trucs intéressants? Apprends lentement. Ouais. Alors, s'il y a des malus, déjà, on va éviter, hein.
Ça a l'air, c'est pas long ça. Prendre celui-là, tiens. Et on crée. Ah merde, non. Non, c'est vrai, je sais pourquoi j'ai pas construit. C'est un monde sacré, c'est protégé par les gardiens, c'est ça aussi la merde. Donc du coup ici de ce côté-ci on est tranquille on va dire. Non ça va pas du tout. Ouais, ça. Non, bah du coup, là, non, non. Là, c'est vrai que ici, c'est comme c'est des. Les gardiens, normalement, ils verrouillent leur territoire. Personne ne peut passer, normalement, il me semble. Bon, du coup, ici, je suis protégé sur ces côtés-là. Donc, ça va ici. Ça sert à rien, même ces stations-là, ça sert à rien, en fait. Pas si mal ici, c'est voilà, ici ça sert à rien, ça c'est verrouillé par eux. Non, on est pas mal, on a juste ici une ouverture. Ouais, à la limite, on devrait virer celle-là. C'est le problème, c'est que voilà, ça fait quand même des collègues de pognon, ça c'est pas si mal. Alors, on va faire un truc déjà. Bon, les flottes, c'est bien, elles sont à quai, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ici, c'est ouvert. Montre-moi un peu au niveau des secteurs ce que c'est dit. Pas de pognon. Enfin, pas assez. Est-ce qu'il y a des écrits, des dits intéressants à passer? Ça en fait quoi? Subvention à la recherche? Ça serait pas mal ça. Tellement important la recherche. Ça pourrait être intéressant, mais ça coûte cher. Ça, c'est bien pour la guerre, ces trucs-là, la plupart. Permet d'améliorer les boucliers, la vitesse de déplacement. Tout ça, c'est pas mal. Là, on n'est pas en guerre, donc on garde nos ressources rares. On pourrait mettre ça. Puis en plus, on est en négatif, donc ça passera peut-être en positif. Et de toute façon, je peux faire qu'un décret, donc c'est réglé. Ok, ça, c'est bon. Du coup, ça nous a utilisé un petit peu d'influence. C'est quoi mes relations du coup avec les voisins là? Steve, oui, on a été en guerre avec eux. Donc, forcément, ça se porte pas bien. J'étais en très bonne relation avec les Opraniens. Et la coalition Delta. On peut peut-être essayer d'améliorer nos relations plutôt avec eux. J'en garde un pour s'il n'y a jamais une nouvelle civilisation. L'amical avec eux, ils sont équivalents. Donc, normalement, ils devraient me foutre à peu près la paix. Ceux-là, réceptifs, équivalents. Ils sont inférieurs en économie. Ouais. Ici, c'est quoi ça? Réceptif, équivalent. Pour le moment, on va rester comme ça et cela. Supérieur. Puissance de flotte inférieure en technologie. Relation du coin, pas suspicieux. Bon.
On va regarder de toute façon, on va essayer d'améliorer nos relations avec ceux-là, là. Immédiat. J'ai quoi? J'ai des flottes de transport. J'ai des trucs à explorer. Ici, ici, là c'est quoi? Il faut un vaisseau construction. Research complete. Alors, qu'est-ce qu'on prend dans tout Special ça? project complete. Est-ce combustion, forteresse, c'est-à-dire c'est pas la priorité, c'est censé coûter relativement cher. Sont bien maintenant, c'est pas celui-là, hein, puis on verra. Là, il faut qu'on essaye de repasser en positif sur tout un tas de trucs. Enfin, les frontières sont fermées partout. Ok. Au niveau construction, je peux pas encore exploiter. Gros carrefour commercial ici. Ça va être intéressant de faire un carrefour commercial. De toute Research façon, complete. on va pas trop pousser sur station. Après, les différents tests, je trouve pas ça méga méga efficace. Non, pas ça. Trop cher. Faire le bloqueur. Normalement, Special pas de project ça. complete. Peu de ça. Comme ça, je vais pouvoir mettre du crédit pour la construction. N'ont pas besoin d'îlot. Ils n'ont rien utilisé. Pour moi, comme ça, c'est plein. Au besoin, il y aura. Bon, du coup, c'est fini. Attends, je vais regarder un peu là-dedans. Ok. Donc on construise quoi? Deux crédits agricoles. Je sais pas si c'est fait. Construire la première fois deux. Ça c'est bon. Là, il reste celui-là. Donc oui, j'ai envoyé quelqu'un dessus, donc c'est bon. Au niveau des vaisseaux, j'ai une flotte. C'est un peu léger. On va la renvoyer vers Alpha du Sotori. Ah, c'est loin, dis-moi. Voilà, plutôt. Research On va complete. reproduire quelques armées au cas où. Dessous, ça coûte cher. Vaut pour faire dans l'immédiat. Enfin, si vraiment. Et ça, c'est intéressant, ça. Violet, c'est très intéressant, toujours. Enfin, toujours. Non, toujours. Alors les flottes, il faut les mettre à niveau, ça c'est important. J'en dépasse, ce dépassement, ça me coûte 5% en plus, c'est pas trop grave. Ships upgraded. Toutes les frontières sont fermées. Ships upgraded.
Ah, il y a une ressource rare. Est-ce que je peux utiliser celle-ci ou pas? Ça m'étonnerait. Oh, si, je peux récupérer ça, c'est bon par contre. Ça, c'est très très bon. Alors là, dans l'idéal, je ferais faire un petit carrefour commercial. Hein. Research complete. Special project complete. Il en faut un deuxième pour le récupérer. Bon, deuxième. Et hop. Il faudrait un ancrage. Ah bien, le idéal, c'est Thomas. Il y a le quartier équipage, donc ça c'est. J'ai trop le vaisseau scientifique du coup. Même. Et toutes les frontières fermées, j'en ai trop. Ah, capacité navale, ça, c'est important. Si tu veux la paix, prépare la guerre, comme dit dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Là aussi, il faudrait des points de collecte. Bon, 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 bon. Est-ce qu'on pousserait un peu vers eux? Mais ils étaient costauds. Hein. La supérieure en tout. Laisse tomber. Eux, ils sont équivalents. Donc on n'a pas vraiment pris. Il vient juste de finir une guerre, on va éviter de s'en lancer tout de suite dans une autre guerre. Pas mal ça. On va rentrer les vaisseaux. Alors qu'on les repasse en positif ici, c'est bien. Research complete. Production de station minière, ah ouais, ça serait bien aussi. Méga forge alliance, alliage, ouais, il y a plein de trucs bien. Il y a plein, plein, plein de trucs bien. On va faire le minerai, la base. D'abord le minerai, après le reste. Special project complete. On a de l'alliage, donc autant améliorer au fur et à mesure. Ships upgraded. Ships upgraded. Enfin, on construit quand même pas de trucs. Disrupteur, c'est pas mal ça. Construction complete. Construction complete. Ships upgraded. Bon, on niquait tous mes biens de consommation. Un peu de ça. Ça, c'est les ressources rares, ça rapporte énorme. Et du pognon facile. Ships upgraded. Alors, voyons voir un peu les peuples, là, ce que ça dit. En monde administratif, vous êtes en train de faire quoi, vous? Tiens, un peu, donc je regarde tout ça. Il y a des trucs intéressants. Là. On va faire du truc de
Les laboratoires, c'est important. Alors, ils ont blindé la capacité, machin. On va faire un autre labo. Je peux pas. Puis essayer de. C'est pas grave. Alors, on va voir au niveau main d'œuvre. Façon Tori, j'ai un robot en trop. Bah écoute, tu peux aller sur Sirius. Seul. Le problème sur Sirius, c'est pas des robots qui. Tiens, sur la Terre, hop. Là, il faut du monde. Ici, Ruskiar sur monde, là, ici. Vous voyez ça. Là. Hop. On est bon, il n'y a plus personne. Ah, il nous faut vraiment plus de. Je revois un peu les secteurs. J'ai un en transformation, j'en ai 3 en production. On comprend pas trop les trucs, mais c'est pas grave. Parce qu'on consomme en même temps ce qu'on produit. Research complete. Ok, on va faire modifier les vaisseaux. L'hyperpropulseur. Ce sera intéressant, ça, l'inhibiteur. Ah, production et station de recherche, non, priorité. Des cases parce que c'est indispensable. Bon, j'étais en train d'essayer de voir améliorer la production. Construction complete. J'en ai remis ici. On va en mettre aussi. Il va falloir attendre qu'il y ait des pop hein, parce que ça n'a pas fonctionné d'ici là. Mais... Research complete. Ça sera bien comme ça pour le moment. Là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quel est l'intérêt de ce truc-là. Produit des travailleurs culturels. On va prendre ça. Construction complete. Donc ça va, je pense aussi par contre je suis accès en offre. Le problème ça c'est des créés donc je peux pas en mettre plus. On va faire des revendications peut-être alors. C'est bête de gâcher du. Ils sont costauds hein. Techniquement, il faudra essayer de récupérer tout ça. C'est pas un trait verrouillé. On va verrouiller ici, ici. Récupérer tout ça. Genre
comme c'est jusque là comme ça. On laisse le point ici. Alors eux, ils ont toujours des trucs chez nous. C'est eux qui m'avaient fait chier tout à l'heure. Je crois que j'avais les deux sur le dos. On va revendiquer ces points-là de toute façon. Et ça nous gêne. Voilà. Bon, ça, si. Là, comme ça, on pourra verrouiller. Ici, on verrouillera toute la zone. Ici c'est pas mal, parce qu'une fois qu'on met un point ici c'est fermé. Et chez eux. Je pense que ça ira déjà. L'avantage des robots, c'est que tu peux les envoyer n'importe où. J'ai un secteur en recherche quand même. Donc ça va me coûter des crédits. Hein. La recherche est tellement importante. Ok, allez, on va refermer les secteurs, ça c'est bon. Alors la flotte, je peux produire un petit peu. On va renforcer, tiens, celle-ci. Hop. Je peux renforcer même un peu beaucoup. Ils sont en rébellion, ils sont pas contents. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça c'est une des planètes qu'on a dû récupérer. Eh ben écoute, on va utiliser une influence et on va mettre... On va mettre juste la police qui a un crime. Et ce serait bien de pousser sur un truc pour finir un autre. On va faire ça. Débloquer un autre atout d'ascension. Ça, c'était juste le chef. Ok, bon. Ça va pour le moment. Très pas mal ça.
Spaceport under attack. Ah. Comment ça? Oh. Plein de pirates. Allez, go. Flotte arrive à temps. Incoming transmission. Norbassel, oui, ok, Norbassel. Et la flotte arrive. Éviter que ça tombe du coup. On a pas fait pas trop mal tenu là. Station. Ok, bah toi tu retournes à la base. Quand c'est hacké, ça coûte moins cher l'entretien. Ouais, donc là c'était un peu inutile de monter aussi haut la station. Extrêmement inutile. De toute façon, il verrouille la zone. Là, bon, ça sert pas à grand chose au final parce que je verrouille pas du tout la zone. Research complete. Améliore morale. Alors ici, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre ça. Il y a des trucs, je sais pas trop ce que ça fait exactement. Research complete. Peut-être intéressant de faire quand même ces trucs-là en priorité. Pas de base toi? C'est embêtant si t'as pas de base, tu vas avoir une base. Tiens, faites-moi quelques croiseurs. J'ai qu'une station qui produit des vaisseaux. Non, ça c'est les bases. Research complete. J'ai des alliages, il faut les utiliser. Ok, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça donne quoi là-dedans? Comme ça, si je peux pas y accéder. Et toi, tu veux deux districts agricoles encore, tout à l'heure. Et les points, ils sont ouf. Ils sont là. C'est chez nous, je peux faire les recherches de ça. Il n'y a plus de chef, mais c'est pas grave, on parle en c'est un chef. Hein. Et du coup, c'est bon ça. C'est déjà fait.
Ouais, la zone est quand même vraiment verrouillée. Puis j'ai des copains qui sont pas mal de copains partout. Et je vais renforcer quand même celle-là. Contrôle un peu, à contrôle quand même en bonne partie la zone. Situation log updated. Et le dia, ça serait peut-être d'en faire une ici. J'ai plus de slot de. Ah, le destructeur. Alors, on va vite fait ça. Et on a trouvé un nouveau truc. Ok. C'est où? C'est dans une zone où j'ai accès. Du coup, j'ai plein de dégâts. Je suis en plein de trucs dans le rouge. Mais non, c'est ça que je voulais voir. Ouais, je suis bien placé. On est deuxième, donc c'est bien. C'est bien. Putain, même vachement bien. Incoming transmission. Pack commercial. Nous le recevons. Bon, on va dire ok. Ouais, du coup, elle est placée celle-là. Research complete. Bouclier planétaire, ouais, bof. Complexe scientifique, ça par contre. Institut de recherche. Alors, les instituts de recherche, on peut en faire qu'un par planète, il me semble. Contrairement au complexe, machin, labo, ça c'est l'upgrade du labo. Où on peut en faire autant qu'on veut, tant qu'il y a des cases. Pour l'institut parce que ça rapporte énormément l'institut en recherche. Faire une méga forge. On a trop de bouffe. Ça j'en produis vachement de ça, dis donc. Ça c'est cool par contre. C'est pas trop ce que je voulais faire, mais je me suis trompé. J'ai mal cliqué. Bon, il y a 151. Research complete. On va dépasser, mais c'est pas grave. Point de civisme non dépensé. Alors ça, je connais un truc pas plus que ça. C'est. Il faut rajouter où déjà pour ajouter. Là-dedans. Ça, c'est bien ça. Environnementaliste. Moins 20% de consommation de biens de quoi. Une conso. Système planétaire, influence d'IA diffraction plus 40%. Ah, c'est pas inintéressant non plus, hein.
Politique impitoyable, ça coule du décret. Développement des peuples par l'immigration, incitation à l'immigration. Guilde minière. Capacité administrative. Sur le long terme, qu'est-ce qui sera intéressant? Plutôt ça. Ships upgraded. Ça peut peut-être être intéressant ça. Ah mais c'est nos potes, hein. Du coup, hein, c'est-à-dire qu'on rentrerait en guerre contre eux. Ah ouais, ça peut être intéressant ça. Ça peut être très intéressant. Puis ça va faire... Ah ouais. Tiens, on va faire ça. Ouais, ça m'intéresse. Ça met en guerre avec les autres ou pas? Ah merde, je suis en fédération avec eux. Delta. Retourne, c'est pas grave. En guerre contre eux. Ah oui, non, d'accord. Ouais. Nation Sidarus et Opranien. Opranien, c'est cela. Ouais, donc c'est les rouges quoi. Donc l'alliance rouge. Ouais. Les deux là. Ils sont en train de le bouffer. En train d'essayer de le bouffer. Ouais, c'est pas du tout ce que je pensais.
Research complete. Ouais, comme ça, oui, pour l'ascension. Capacité 9. Là, je vais pouvoir construire encore plus de vaisseaux. Beaucoup plus de vaisseaux. Special project complete. Je peux envoyer mes flottes, mais je peux pas envoyer mes. Ah non, c'est pas les mêmes. Ah, mais en fait, j'ai pas accès à leur zone. D'accord. Ah, oui, bah. Deux nations. Jubaran. Overing Jubaran et Soren Jubaran. Ah oui, d'accord. Bon, il faut que j'aille péter ça pour pouvoir passer. C'est bien ce que je voulais faire, le truc des soliens qui bloquent le passage. Après, je pourrais envoyer mes explorations. Du coup, ça me coûte cher de déplacer la flotte. Hein. Le secteur, il reste un truc. Et du coup, je garantis l'indépendance, mais construction complete. Finalement, je suis pas en guerre avec les autres, je comprends pas trop. Et du coup, c'est bon, il n'y a personne. Ça passe toujours pas. Bah, jusque là, mais après je passe. Après là, c'est plus la même zone. Je monte les tirs. C'est la zone de qui ça? C'est quoi? Pourquoi je peux pas accéder là? Je comprends pas. Pourquoi je peux pas accéder là? Ah, qu'est-ce qu'il y a là, ça? Pourquoi je peux pas aller là? Bon, inconnu. Je demande qu'à connaître. Research complete. Et quand je le mets en auto, il veut pas faire, c'est bizarre. J'y ne comprends pas trop.
laisser la flotte en balade, ça coûte du pognon pour rien. Research complete. Alors, il faut de la bouffe. C'est fou. Du coup, on ne peut pas. Il y a déjà tous les districts fabricateurs civils. De purification, stockage et un transport plus efficace. Ça vaut le coup d'avoir des gages chez eux si finalement j'améliore pas mes relations. Incoming transmission. Ils sont en guerre contre les deltas, machin. Reçu les deltas. Stellar pack annexion tente. D'accord, ils sont en guerre contre le seul et les deux autres. Ils sont en train de. Les deux là sont en train de se faire bouffer par les deux autres. On peut pas truc. Ça donne l'arme de la Cassius Belli. Limite. Pas de Cassius Belli, ça. Ils sont déjà en guerre contre les autres, donc ça pourrait être intéressant quand même d'annexer un bout là. Même si c'est pas eux, mais plus embêtant, et plus embêtant c'est eux, parce qu'ils vont devenir plus puissants encore. On pourrait peut-être profiter qu'ils sont en train de faire la guerre aux deux autres pour les attaquer. De toute façon, ça marche pas mon truc hein, de vouloir convaincre.
Alors j'en ai déjà mis là. Il faudrait pousser. Je vois les lignes. Additionner ça serait pas mal. Ou ça en plus. Jusque-là. Et j'ai combien de petits gars là? 430, c'est pas fou 430. Ça sera pas mal comme ça. On va ramener. J'ai encore de la place, hein, dis donc. Alors je fais une armée encore en plus. On va ramener nos flottes. Fusion, on fait une bonne grosse armée et on va produire que tu as bougé ton fion vers là-haut. Ok. Vers là-haut. Ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, on va laisser tout le monde se rapprocher gentiment. Il y a peut-être un truc pour te voir où sont les planètes sans avoir à check comme ça, mais je sais pas comment on fait. On attend que tout le monde se ramène. Ouais, ça pousse, hein. C'est en train de se faire attaquer de tous les côtés en fait. C'est ça, hein, quand on est vilain, qu'on attaque tout le monde. Bah c'est eux qui m'avaient attaqué, hein. J'avais rien. Research complete. Incoming transmission. Ouais, tu vois, on va moins discuter. On va moins vouloir causer. On va attendre que nos flottes se rapprochent correctement. Ils sont en train de se faire démonter là. Et je vais arriver, il n'y aura plus rien à prendre.
Research complete. Ces autres là-haut qui sont venus. Ah, mais ils sont dead, les Opralan, en fait, là. Ils se font attaquer de tous côtés par tout le monde, en fait. Je sais même pas si je vais pouvoir réquisitionner quelque chose. On va voir, mais j'ai l'impression qu'il est en train de se faire la vue. La Gravadox, mission d'Altar, donc là je peux rien faire en fait, là, je peux pas attaquer. Parce que je pourrais pas m'en emparer si c'est déjà occupé. Ah ouais? Ah bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah c'est eux alors, il faut que j'attaque. Mais j'ai pas mis des revendications chez eux déjà? Mais c'est bizarre eux, parce que ils sont tous en guerre contre eux, mais ils sont pas alliés. Non, ils sont pas alliés. Ouais. Bah écoute, c'est le moment, ils sont faibles. Du coup, changement de plan. Le chemin d'accès, il est là. Fuité qui sont faibles et puis qui sont en guerre avec d'autres en même temps. Ils sont en train de... Ouais, bah c'est parti, hein. Du coup, on change de cible. Combien 130 tiens, elle est là direct. Si là j'ai combien 430 produit un peu plus ici. Incoming transmission. C'est en cours.
Pour la salle, tu as la salle, pas de soucis. On va ramener des vaisseaux scientifiques par ici aussi. Eux, ils me laissent passer. Ah si, ils me laissent passer. Je passe là, hein. C'est plus court. Sûr. La grosse armée en plus. Là, il y a un coup à faire parce que s'ils sont très faibles, je ferme mon influence. Déjà récupérer tout ça et peut-être réussir à pousser par là aussi. Ce serait très intéressant. Research complete. J'ai encore la capacité. Pourquoi là je peux pas? La faute est déjà la puissance maximale. Et là? Si elle y est pas à sa capacité maximale, qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est intéressant. Alors, on va pousser sur lequel maintenant? Prospérité, domination. Domination serait pas mal, non? Sa prospérité. Regarde-moi ça. Ils ont préparé leur vaisseau. Ils savent que ça va arriver par ici. Mais pas que. 3006. Hein? 32 000? Ah non, c'est flotte neutre, Jubaran. Ah oui, je me disais merde. Ah non, c'est Jubaran qui sont. Ah mais ils sont... Ah oui mais attends, oui, c'est ça l'histoire. Eux ils sont faibles. Et pas les Jubaran. Bah oui. Ah bah oui. Ils sont combien contre celui-là? Au final, on prend rien à ce truc-là. Leurs alliances tordues. Parce que du coup, là, j'aime retrouver en guerre avec les Jubaran aussi. Les Jubaran, c'est pas le même morceau. Hein. Mec, ils ont une flotte de 30 000. Ah non, Vlure. Vlure, c'est quoi ça, Vlure? Voulure. Quoi voulure voulure? Y a rien qui s'appelle voulure.
Qu'est-ce que c'est que ça? Nuage spatial. C'est neutre. Donc ça, on s'en fout en fait. Donc non, ça passe. Faut juste que toutes mes flottes se ramènent un peu là. Mais si, si, c'est bon. 30 000, putain la vache. Bah, il y a des trucs, oui. Il y a des trucs un peu bizarres comme ça, des flottes particulières, on sait pas trop ce que c'est. Nuage spatial. Ok, j'ai une flotte qui est déjà arrivée. Les autres. Le tour sans jet de fer, quoi. Balade-toi. Je pense qu'on va déjà y aller comme ça, non? De toute façon, ils ont pas beaucoup de puissance ici. On va y aller. Allons-y, on fait une petite sauvegarde. Si jamais ça se passait vraiment très 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 mal. Des fois, t'as vraiment l'impression que ça se passe mal, que ça pue, et puis finalement, ça passe. Ah, ça m'a éjecté ma flotte. Putain, ça me l'a éjecté carrément, quoi. Comment ça, je peux pas passer? Ah oui, c'est parce que j'étais en pause. Putain, ma flotte, du coup, elle s'est fait éjecter, ça m'agace. Le voleur, il se balade. Ouais, c'est ce que je me doutais plus ou moins que ça me virerait. Et bon, du coup, je suis en guerre aussi avec cela. Viens là, toi. L'autre, je sais pas où est-ce qu'elle va réapparaître, ma meilleure flotte. Spaceport lost. Eh ben on va faire péter du décret, tiens, ça tombe bien, j'y pensais plus. Blindage, bouclier, carburant. J'ai pas celui pour améliorer les dégâts. Ah, je dis ça, c'est quoi comme arme là? Ah si, c'est du énergétique. On a un peu de cinétique. Un peu de cinétique, bon, je peux mettre le truc cinétique aussi. Voilà, hop. Ça va être boosté, un peu le tout. Ah, du coup. Station engaged. Ils sont où là? Va arriver tout doucement. La merde, ça. J'aurais mieux fait laisser là-haut tout à l'heure ma flotte. Ah, il se sauve.
petite base quand même. Ah ben ils ont apparu là, impeccable. Mais on va peut-être du coup aller plutôt taper ici. K2, voilà, c'est assez subjectif en défense des bases en fait. Parce que à puissance égale, une flotte défend, démonte une base spatiale. Faut vraiment qu'elle soit plus costaud. Pius machin Cyril, parce que c'est ok. Non, ouais, je suis deux quatre à la base. Une plaine est ici par contre, tu vas falloir un bon pareil. Tiens, on va moins de soigner. Les armées fusionner les deux là. C'est bon, les fusionnés. Et vous venez vous poser ici. Regardez combien. 209, ça va. Ça arrive, hein, doucement, mais ça arrive. Du coup, ça y est, ça arrive. Cinq. Voilà, ça fait quand même avec la base, ça fait pas mal quand même. On reste ici pour. Tomber ça déjà. Et bon, il est en train de swing. Vas-y, attaque. Mettez-le aussi, attaque. Occupez déjà tout ce qui traîne ici.
Hostile fleet engaged. Ok. Ça a démonté leur flotte de transport en même temps. Voilà. Ok. Ok, ici c'est bon. Y'a quoi là-dedans? Y'a rien là-dedans. Je peux même mouiller la petite. Grosse. Ouais. Ah, c'est pas le moment, hein, flotte d'armée. Toi, tu vas là. Oh, tu vas continuer là-dessus. Couper la route. Ça, c'est le petit. Il n'y a pas de planète. 569 quand même. J'ai pas à réclamer tant de choses que ça, puis j'ai quasiment déjà tombé ce qui avait à tomber. Alors je vais pas les taper là, c'est des zones qu'ils ont sont occupées, donc c'est des planètes qu'ils ont occupées. Enfin, des planètes pas forcément, mais là c'est pas mon territoire, c'est pas leur territoire, c'est un truc qui sont en train d'attaquer. J'ai une raison d'aller là. Y a pas de chemin par ici en fait. D'ici je suis baisé, je peux plus accéder après. Zone, je suis obligé de repartir par là-haut. Ok. Et je suis obligé de passer par là de toute façon par là. C'est des zones que je revendique. Pas de planète. Parce qu'en cas de statu quo. En fait, ça tient en compte de ce que vous avez chopé. Bon là, c'est pas dans leur zone à eux, dans la zone de leur allié. Mais en cas de statu quo, ça tient compte de ce que vous en restez là, mais ça tient compte de ce que vous occupez. Donc s'ils occupent des trucs chez moi, que ce soit des planètes ou des systèmes, et ben c'est gardé. S'ils occupent rien, et ben moi je récupère juste ce que j'occupe. Planetary invasion begun. Là on a commencé l'invasion d'une des planètes.
Voilà, ça diminue. Et là, il y a encore une planète aussi. Ah, du coup, ils ont fait la paix avec les autres et on pourra se consacrer à nous. Ok, alors donc là, ça y est, on occupe leur planète. Là, il y en avait une aussi. Pareil, on pose. Alors, on peut faire un bombardement avec notre armée, notre flotte. C'est pas assez long, forcément très efficace. Mais ça le fait. Le but est de s'emparer des j'ai pas fini. Ah bah du coup ils sont libérés eux. Comme ils ont fait la paix, c'est plus la zone, c'est plus une zone occupée par les autres. Fait, j'avais libéré une zone qui était pas qui était aux Oparian, machin. Ils ont pris cher les Oparian. La paix avec ceux-là, mais pas avec les autres encore. Debris analyzed. Ok, donc ça c'est fait. Il y en a un là aussi, tiens. Ok, du coup ils l'ont chopé, normalement c'est bon. Pouvoir retourner par là-haut. Et oui, après. J'ai oublié de passer par là pour me taper ceux-là, mais c'est leurs alliés. Les revendications que j'ai, pour le moment, elles sont que chez eux. Bah, tu fais le tour par là. Plus court, c'est par là. Ok. Flotte en range encore des gars là. Si en défense. Ils attaquaient possiblement par là, eux. Voyez, là, donc là, j'occupe une planète et j'occupe deux systèmes. Alors d'ailleurs, je sais pas comment ça se passe, parce que quand tu gagnes le système, est-ce que tu gagnes la planète qui est associée ou... Ou c'est le fait de tenir la planète qui fait que tu occupes... occupe le système, autrement t'occupes pas le système. Possiblement ça. Un système où il n'y a pas de planète, bah du coup tu l'occupes de base. Ok, bon ici c'est fait. Il y a une planète là, non, il n'y a pas de planète. Hop, on repart. Vers ici. Je sais pas. Parce que maintenant le point d'entrée chez eux c'est par là. Ils sont bien fermés ici, hein, jusqu'ici. Alors les sauvages ils sont assez costauds quand même. Hein. Enfin, ils étaient assez costauds mais j'ai l'impression que c'est plus le cas. Équivalent, oui, mais équivalent, bah, sont où leur flotte? Ils repellent quand même. De flotte par ici, ça ira. On va se concentrer par là-haut. Ça donne ça. Quand vous explorez les débris après les batailles, ça vous donne des informations scientifiques, soit sur des recherches que vous n'avez pas faites,
Et en plus, ça vous donne des points de recherche directement. Elle est en train d'envahir la planète. C'est celle qui est ici qu'on est en train de faire. Bon. C'est bien l'autre d'à côté. Donc on voit les usures de guerre. Là pour le moment on a l'avantage, on a moins d'usures de guerre. On a plus, soyez l'attitude, mais plus les dégâts aussi. On occupe 3 systèmes. Donc, si on arrivait à être en vert là, ce qu'on occupe, on le garde. Voilà, ça y est, on s'est emparé de la planète. Alors, donc là on s'empare de Hitch. Est-ce qu'il y avait des planètes par ici? Rien là, ben, on va aller là. Le 109, ça y est. Je crois qu'après c'est bon. Il n'y a pas d'autres, hein, d'autres là qu'on a chopé. Là. Vu des systèmes vides. Ouais, pareil. J'ai déjà, je vais avoir déjà plusieurs flottes. On va continuer à aller par là-haut. On va attendre parce que c'est une petite flotte. J'aimerais presque même les deux. Si je peux, non, je peux pas. Tu veux venir là, les deux, je vais faire fusionner les deux petites. Prendre celle-ci, puis celle-ci, on va aller à la guerre. On sait pas hein, quelle armée ils ont exactement, les autres là. On va le laisser là comme ça pour le moment. D'ailleurs, on a chopé une autre planète. On en a fini. On va le laisser soigner. Allez, les deux vont fusionner. On est bon du coup là. Là c'est ok, toi tu vas aller là, les deux vont fusionner. Ici, c'est bon. Et ben on va partir par là-haut. Le but c'est d'aller péter les chantiers. Priorité. D'armée. Research complete. C'est important.
Research complete. J'ai joué le système. Debris analyzed. Ok, donc on a pris position du truc. On peut même normalement s'y réparer. C'est des chantiers, vraiment des chantiers spatiaux. On peut se réparer dessus. Est-ce qu'il y a une planète là? On n'a pas de planète. Et ça, c'est le truc un peu pénible. C'est pas vrai. Où sont les planètes? Là, il y en a une par contre. Ben on va s'emparer de la planète. Quoi, pas d'accès. Il faut qu'il débloque un accès. Ah, il y a un accès, mais le problème c'est qu'il va passer à côté d'une station, donc se faire tirer dessus, et donc ça va faire. Il faut que le petit aille s'en occuper. Ok, prochain chantier. On va aller péter celui-là, tiens. Ou l'autre. Ça change pas grand-chose. Comme faire les spécialistes, il faut tous les faire. Ah oui, j'aurais pu acheter carrément pour déclencher le bonus. Ça, c'est les trucs à aller rechercher. Je pensais, système étant bloqué, il n'y a pas de passage. Je vais quand même l'envoyer par là-haut. Ce sera la surprise. Je le prends parce que c'est violet, mais je suis pas plus fan que ça, hein, ce truc-là. Son de purification, on va prendre 3000, ça va être rapide. Incoming transmission. Non, pas de pack. Bon. Il faudrait pouvoir sélectionner que les batailles importantes. Pas les petits trucs comme ça. Bon, on n'a pas trop croisé de flottes, c'est embêtant parce que c'est les flottes qui font vraiment gagner beaucoup de points.
avance quand même. Si tu peux pas aller plus loin pour le moment, c'est quand même. Y a plus de GPT, hein. J'ai emparé des trucs. Là, il y aurait une planète à les conquérir. Ici, on va pouvoir soigner. Pas très abîmé. Ok, donc le terrain est dégagé, ça c'est bien. Ouais, tu vas continuer sur ce système-là. Ouais, tu vas pouvoir du coup faire la recherche là et ici. T'as le chemin qui est libre. Ici, on a. Pareil ou pas encore? C'est que du coup on est obligé de passer par l'occupation des planètes. Pas de troupes à taper. Ah, armée de clones, ça c'est cool. Planetary invasion begun. Ah, une petite armée là, 600. Passe. Ah, il y a un chantier juste derrière, caché là-haut. 6. Vitesse de construction, planétaire. D'ailleurs, parlons de ça, est-ce qu'il y a encore du dessous dans le pôle? Des sous. J'en trouve plus le gouverneur. Et c'est pas grave, on va vendre. Un petit peu de bouffe, de toute façon on en produit beaucoup. Les cristaux maintenant, plein blind de cire comme on ne fait pas. Ça, ils vont avoir de quoi taffer un peu. Ah là, il y a des armées ici. Hein. Bon, par contre, oui, il y a des grosses armées ici. Hein. Faire des renforts. On fait ouais, celui-là. Là, c'est pas reconnu, donc je peux pas y aller. C'est bien. Est-ce qu'il y avait une autre planète? Le problème c'est que ça, c'est pas les planètes finalement qui m'intéressent, moi c'est plutôt l'autre côté à la base que je suis en train d'attaquer. Là c'est leurs alliés là que je suis en train d'attaquer, mais ça me fait gagner des points. Hein. Mais ah, quoi qu'il me reste que 49 à faire.
toi, tends-moi ça vite fait. Après, faut que t'ailles aider l'autre parce que si ça lui tombe dessus, ça va très mal se passer. Incoming transmission. Une deuxième armée d'invasion, c'est pas un souci. Pas un souci, quand même la produire. Mais j'ai les ressources. J'ai pas encore mon armée de clones, mais tant pis. Celle-ci va continuer à s'occuper par là. Prêt à tirer là. Bien par ici. On va se passer des trucs par ici. Tiens. Pas passer, ben on peut pas passer. Pas dû péter le truc en passant. Montre-moi un peu les revendications. On rajoute un peu. Hein. Parce qu'il faut que, pour pouvoir garder les ce qui a été attrapé, il faut les avoir quand même revendiqués. Si vous ne les avez pas revendiqués, vous ne pouvez pas les garder. Passer, donc tu peux venir par ici. Hein, il bouge pas, son position défensive. Mieux. Celle-là, ça soignait. Donc elle est passée à 4006, donc du coup, plus de problème. Il y en avait une grosse, il me semblait, qui traînait. Research complete. C'est du violet, on pense, c'est tout.
Défensivement, c'est pas ce qui nous intéresse dans l'IA. Académie de flotte. Bloqueur à la limite. Avec, sans trop de produire. Ici. C'est bon. Ici. Vers rien. Ici non, c'était où? C'était là. Ici, ça donne quoi? Train d'arriver. Ok, on a vu le vaisseau là. Ah oui, là, il y a du monde, mais ça doit passer. Et maintenant, de renfort. Ah, ça va passer, ça multiplie, hein. Bon, tu te dépêches un petit peu, s'il te plaît. Quoique. Tu vas rester là pour le moment. Non, tu vas aller te soigner. Bon, ici, ça donne quoi? 1002. Ah, il y a quand même un 70 en plus de base. Peut-être un peu beaucoup. Donc c'est quand même pas notre site prioritaire. C'est là. Bah non, tu veux là. Tu veux faire tout le temps. Est-ce que c'est pas exploré, c'est ça? Ça, c'est un problème, hein, histoire que ce soit pas exploré. Parce que si même en guerre, je peux pas y accéder. On va lui péter celui-là. Voilà, il y a une armée. On peut péter l'arme. On n'est pas dans la zone qui nous intéresse, donc plus. Faut vraiment qu'on pète des armées. Ça va payer ça. Voilà.
arrive. Quoi? C'est chiant ça. Hein. Tu veux bien aller là, mais après tu veux plus aller là. Pourquoi tu veux plus? Cible pourtant. Ah, il y avait une flotte qui attend d'attendre. Une bonne petite base là, dis-donc. 3-5. Enemy planet secured. Ok, ça c'est fait. Ah, du coup, il bouge. Ah, ils sont venus là. Ici, du coup. Quoi? Je peux pas appeler des renforts pour lui. Bizarre. Alors on pourrait faire le statu quo là. Après, il nous reste 24 points à faire. Le problème, c'était celle-là en plus. Les deux ensemble. Ah, il y en a un, tiens. Vas-y, go. Toi, tu iras te refaire à l'autre là-haut. Research complete. Capacité navale, c'est tellement important. Ici, ok, les ordres sont donnés. Ici, toi, t'as pas d'ordre. Et ça, on le verra. On n'est pas en guerre, c'est vrai. On l'avait fait, mais c'est parce qu'ils étaient occupés. Ils avaient libéré. Allez, on va voir ce que ça va donner. Il y a un point. Ok, alors ça dit quoi là maintenant? Plus que 16. Et donc, celui-là là-haut, chantier à péter,
Allons-y. Péter à son pareil. Donc pas beaucoup de points là. Regarde s'il n'y a pas quelque chose hier. Transporteur. Ici, est-ce que ça passe? Est-ce qu'ils ont accès? Toujours, ça c'est important par contre, hein. Faire chercher les trucs. Trou de verre exploré. Oui, bien sûr, on devient. Pas de soucis, t'inquiète. Oh la vache, eh. C'était un peu gros pour moi, ça, dis donc. Déjà, il y a une putain d'armée qui a débarqué et. Et la base, elle est costaud, la base. Hein. Là, ça va pas passer, par contre. Hein. Retraite, hein. Allez. On va pas fuir tout seul. Hein. Merde. Ah oui, du coup c'était un peu fort ça pendant. Incoming transmission. Proposition de paix, il me propose quoi? Normalement c'est ce que j'ai en bas. Ouais, enfin vous êtes presque à genoux hein, donc. Ishtikas, dites ça, je prends 3 planètes, 8 systèmes. On va refuser, on verra. Pas grand chose en point, il manque 18 points que je chope. Bonne armée. Toi. Troupe d'invasion, j'en ai que 208. Hein. Que 208 points. Ils sont encore en train de produire, ils sont. Les clones, ils sont rapides à produire, c'est l'avantage. Bon, lui, occupé de la base. Et toi, bah, tu vas aller jouer avec les autres là-haut. Hein. C'est de choper l'armée là qui vient de nous casser. Du coup, il y avait l'armée, je sais pas où elle est passée, leur petite armée là, qui traînait. Non, toi, je t'envoyais par là, base. Si tu les retrouves. Ils ont bien poussé, hein, les machins là.
C'est bien, on a trouvé la flotte. Mais par contre, ça pue du cul pour lui. Il a lancé quand même. Il y était. La flotte, oh, il y en a une. 4002. Ouais, ça. Si on pète les deux armées là, normalement on a des points. Enemy planet secured. Research complete. On a les points. On a les points, mais les revendications, c'est quoi exactement? C'est bien d'avoir les points. Mais si on peut pousser plus, parce qu'on peut rajouter des revendications hein, pendant la guerre, donc vous pouvez continuer à demander des endroits. Hein. Ça, on va demander ça en plus. Je sais pas assez du coup. Parce que là, si on fait la paix, on a que les trucs que j'ai revendiqués. Enfin bon, après, c'est ce qu'on veut, il manque 5 points. Et ben, on va les avoir, là, les 5 points. Debris analyzed. Ça ira comme ça. De toute façon, j'ai pu assurer moi cette influence. Ça va s'éterniser, on a récupéré pas mal de territoire, ça serait bien comme ça. Voilà. Research complete. Et du coup, j'ai pas récupéré la zone. Qu'est-ce que j'occupe? J'ai pas récupéré du tout par ici. Si, si, on a récupéré quand même pas mal de trucs. 3 planètes, 9 systèmes. Debris analyzed. Irriter les projets là. Après, tu pourras aller faire l'exploration du trou de ver. Toi, pareil. Ça permet d'avoir des recherches militaires et ça, c'est vachement bien. Toi, tu vas rentrer à la base parce que autrement tu nous coûtes du pognon. Toi, si. Sortez de la zone.
M'insulte. On a gagné la guerre, c'est tout. Donc on est perdant comme ça. En fait. Perdre propulsion, ce serait bien quand même. Ok, alors que je vois un peu les secteurs. Alors je sais pas quelle planète on a récupéré depuis là parce que j'ai pas de nouveau secteur, j'ai rien. Alors ça, on va la péter. C'est marrant, je regarde, j'ai l'impression de pas avoir gagné de territoire. Gagnoter un petit peu ici, c'est tout. C'est pas assez très sécure le coin quand même encore. Bien. Tiens, tu as porte. Research complete. Corvette, ça peut être intéressant. Alors ça, créer un nouveau modèle de robot. Qu'est-ce qu'il y aurait de truc, qu'est-ce qui est intéressant à prendre sur la roue? Deux points. Je pense peut-être. D'assemblage des pop. Ça, je sais vraiment pas ce genre de truc là. Je sais pas ce qui est intéressant à prendre ou pas. Pense. Éviter l'assemblage. Allez hop. J'ai pas créé une modèle. Si, c'est bon. Il y a encore un autre truc où il faut. Il y a des traits. C'est bon, j'ai déjà appliqué des traits. Je comprends pas des fois. Je viens déjà de faire le truc là, les traits là, qu'est-ce que tu m'ennuies? On va créer 50 fois le truc. C'est parce que j'étais en pause, c'est ça?
Oh, il met encore 2 points de trait restants que je viens de créer une nouvelle espèce. Ah bon, c'est bon, une fois que tu as créé de nouveaux trucs avec les nouveaux traits, ça va. Yep. Alors il faut là, l'idée, il aurait fallu celui-là aussi. Parce que c'est là, on aurait pu mettre un point de contrôle. Debris analyzed. Alors donc, on a un chercheur intéressant. Un chercheur intéressant. Pas de bluff. Défaut d'un bleu, quoi ça? Ships upgraded. Bon, bon, encore la gagne et la guerre, c'est principal. Récupérer des territoires en plus. Ships upgraded. Incoming transmission. Okay. Debris analyzed. On laisse rentrer un petit peu, puis après on referme les frontières. C'est juste d'avoir une espèce en plus, des fois ça permet de coloniser d'autres planètes. Les planètes qu'on pourrait pas coloniser, ça nous les rend accessibles. Research complete. C'est bien, vous voyez. Les débris de bataille, très intéressant. Bien avancer les recherches. Alors du coup, là, on est où? Il y a des trucs à faire, non? Ça, c'est tous les débris, normalement, qui sont en cours d'être faits. Quand même les marquer. Pour ne pas en rater. District construit. Alors, effectivement, il nous faudrait des mines. Je suis d'accord. Reste une case. Faire une mine en plus ici. Research complete. Debris analyzed. Il reste plein de trucs. Est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui est toujours en train de faire ça là? Il fait peut-être un peu beaucoup lui tout seul. Toi tu fais quoi? Toi tu vas faire celui-là. Je suis là en plus. Et donc il nous faut une autre mine ailleurs. Perdu. Ah bah c'est trop fun même.
Alors, les secteurs producteurs. Ici, ce qui reste des trucs de la place. De place. Ici. En faire un ici. Un deuxième. Ships upgraded. Trick-mini, là, c'est bon. Hop, après, bon, faut attendre les papas, de toute façon. Vaisseau. Research complete. Ships upgraded. Ben, pas mal de capacités, autant System survey profiter. complete. Vitesse de construction des croiseurs. Okay. Special project complete. Est-ce qu'il y a un peu de gestion de trucs à Research faire complete. ici? Ça, je peux pas encore récupérer. Ouais, ils sont tous là quasiment. Ships upgraded. Ah, pas 700. Les deux là, on va faire quelque chose. Regardez tout le monde ici. Et on va regarder. Toi, tu vas aller, tiens, tu vas aller par là-bas, tu seras très bien. Tiens. Voilà, on va. À ta maison, tu protèges le reste, tu seras au niveau de la base. Ah, bon, t'as quand même peut-être d'autres trucs à faire. On va fusionner ces deux-là. Les améliorations sont Ships finies. upgraded. Bon, bah voilà, ça prend forme. Tout doucement, on repousse nos frontières. Research complete. C'est juste dommage ici. On a contrôlé ces deux points-là en plus. On mettait la base là, on était coupé. Mettez-la, on est tranquille. On va revendiquer ça tout de suite, tiens. Déjà, c'est de là, tiens, en plus. Ils en sont où là? Ils sont alliés, ils ont des alliés. Ils sont vassaux, ils sont l'associé fédéral. Ah, il est associé, les attaquer comme ça, du coup. Research complete. Il y a tout un côté politique assez particulier, quand même. System survey complete.
personne ici? Ça va pas les gars, s'il y a personne qui fait les recherches ici. Ça fait virer de la zone. C'est ça l'histoire. On n'a plus le droit d'y aller. Alors les deux là, Yumi, c'est bon. On va faire une petite fusion. Retour vers Terre à Valam. Taxer peut encore bouger. Et troisième, hein. Après c'est les deux gros de la partie, mais là on est bien devant les autres. Hein. Donc c'est bien, on se porte, l'Empire se porte bien, les Nations Unies. Après c'est l'Empire déchu, les gardiens, machin, ça c'est pas pour tout de suite, ça c'est du fin de partie. Mais pour le moment, voilà, on se porte bien par rapport à tous les autres. Il serait intéressant de réussir à vassaliser, hein, du coup. Histoire de se mettre un peu mieux encore. On peut exiger la vassalisation. Hein. Il a toujours l'accord défensif avec les autres. Ils ont une armée qui est quand même bonne, hein, c'est l'histoire. Research complete. Il manque pas grand chose. 119 pour la vassalisation. Enfin, 119, pas grand chose. Debris analyzed. Bon, les bouffes, ce serait pas mal la bouffe. Tiens. Qui est production, toujours en priorité quand même. Membre d'une fédération. Ouais, d'accord. Si je te vire de la fédération, du coup, après, bon, il passe mon crasse 50 points quand même. Base moins 50. Déjà en train d'améliorer. Debris analyzed. Debris analyzed. Allez hop, un petit point d'ascension. Qu'est-ce qu'on prend? Défenseur de la galaxie. Ça c'est pas pour tout de suite. De toute façon il faudra le prendre. Alors, c'est pas si on devra les battre, hein. C'est pas contre eux, c'est pas sûr. Hein. Là, j'ai ma partie empire que j'ai envie de faire. C'est... Bon, empire, je veux dire, nation terrienne, là, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que personne ne vous aime. Hein. Vous êtes des xénophobes, donc racistes, militaristes, bref. Tout le monde vous fait la guerre. Et on a réussi quand même à survivre. Et j'ai quasiment arrivé à la fin de la partie, là, et puis je suis premier, j'ai pas eu besoin de taper les. Deux empires, les deux gros, hein. Je suis passé dessus, par-dessus en puissance. Je gagne sans les taper, donc c'est pas sûr qu'on est obligé de les taper. Hein. Ça serait pas mal, ça, l'intégration juste avant. Ça, parce que là on va faire différemment. Du coup, allez, stupide, dernier ici.
System survey complete. Ah, du coup, il manque plus que 120. Là, il n'y a plus l'histoire de tout à l'heure. Fédération, machin. Attitude méfiante. Ships upgraded. C'est celui-là qui a... Attitude hostile, moins 100. Oh, écoute, ça va s'arranger. Je peux en mettre un deuxième. On a Xénophile, donc on peut y aller. Hein. Purification des... J'ai déjà quelqu'un chez eux. Ouais, j'ai déjà quelqu'un aussi. Ça dit quoi pour civilisation 119. Eux, c'est 119 et eux. C'est eux qui ont. Eux, ça serait pas mal. Ils seraient tous ceux qui sont à mes frontières, ça serait pas mal. Une bonne relation avec lui, mais ça suffit pas du tout. Je vais plutôt mettre un autre émissaire ici. C'est un boss que ça me fait perdre des points d'influence, donc temporairement ça permet d'avoir une nouvelle population dans l'Empire. C'est assez intéressant. Mais après, ça l'est moins. S'il y avait un bleu, je ferais l'échange entre les deux. Pas de bleu, évidemment. Hein. Pas de bol quand même, je trouve. Alors, avec les nouvelles populations, est-ce qu'il y a des planètes que je peux... Pff, on est toujours en jaune. 40%. Ça c'est un monde protégé par je peux pas y aller parce que autrement eux ils vont pas être contents. Déjà dit que j'avais rien à y foutre. Par ici, j'ai quoi comme relation réceptive équivalent? Ouais, non, on va faire avec eux. Eux là. Inférieur. 302. Puissance comparée, distance. D'accord. Pas d'accès direct, donc on pourra pas les défendre. Qui veulent pas. Dans un premier temps, eux, ça serait pas mal, je pense. Vassaliser eux. -50. Après, je pourrais faire, si je fais ça, je peux faire un casus pour les, casus belli pour les attaquer, mais le but là, ça serait de vassaliser sans attaquer. Bon, bah écoutez, on va se laisser là pour cette partie. Hein, on a bien quand même pas mal avancé. J'ai récupéré nouveau territoire. Donc, je vous remercie d'avoir assisté au stream. Merci à ceux qui regardent un peu plus tard. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Allez, bye bye, à plus.